Salut à toi. Aujourd'hui, tu m'as appelé pour un massage de crâne. Ouais, bah, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai accouru pour toi. Ouais, bah écoute, je te propose des petits massages du genre. Massage de crâne, comme ça. C'est quoi? Bon, généralement, les gens qui se font le plus facilement hypnotiser sont des gens très ouverts d'esprit, avec une belle imagination. Je me demande si tu en fais partie. Et simplement, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu te concentres sur les babouilles que je te fais, le massage crânien. Bon, c'est plus classe de dire massage crânien, mais moi je dis babouille. Parce que lorsqu'on ferme les yeux, on peut entendre davantage le son. Un peu comme notre subconscient focalise toute son attention sur les autres sens. À ce qui est près, si tu deviens aveugle, eh ben, ton ouïe est beaucoup plus développée. C'est dingue, non? Le corps humain est bien fait. Ok. Alors juste concentre-toi sur ce son. Et je vais compter de 5 à 0. D'accord? Simplement, et je vais essayer de te détendre pour qu'arrive à 0, tu sois complètement détendu, d'accord? Avec le 1, c'est comme si je prenais tout ça et tu te laissais aller. Avec le 2, tu peux fermer les yeux. Simplement, lorsque tu auras jugé que tu seras assez détendu, avec le 3, lorsque tu seras assez détendu, tu pourras fermer les yeux, pas avant, surtout pas avant. Avec le 4, simplement, tu ressens ce massage. Ces deux bras est le plus détendu. Selon toi, lequel de tes deux bras?
un cintre sur ce bras. Alors tu peux continuer à écouter le son de ma voix. Et si tu écoutes le son de ma voix, tu peux toujours apprécier cette vidéo qui te fait découvrir des bruits agréables. Et comme cette vidéo te fait découvrir des bruits agréables, alors tu peux déjà commencer à sentir cette respiration changer. Sentir cette respiration se modifier. C'est curieux, n'est-ce pas? Et donc, par conséquent, ça entraîne une grande relaxation. Et certaines personnes ont une relaxation qui part des pieds à la tête. Je me demande si toi, c'est pas plutôt l'inverse. C'est pas de la tête aux pieds. Je sais pas. Ok, c'est très agréable. Après, il y a des mots inaudibles que j'aime beaucoup. Alors, il y a des mots qui sont beaucoup plus déteints, des déclencheurs que d'autres. Par exemple, petite pétale de coquelicot. Alors, petite pétale de coquelicot, c'est des mots très agréables. Ça me fait exactement le même phénomène que lorsque je suis en hypnose profonde. C'est vrai que personne ne peut nier le fait de se détendre et ça fait vachement du bien de se détendre avant d'aller au lit. Ça peut booster la créativité, les rêves et pourquoi pas favoriser l'endormissement. Et alors là, c'est bon, le top. Le top, le top. Tac. Et c'est drôle parce que il y en a qui m'a dit ouais, j'aime la sensation. C'est pas une sensation, je m'occupe vraiment de toi. Bien sûr, bien sûr. Tu crois quoi? T'es quoi? T'es plutôt extraverti.
pense que tu es quelqu'un qui aime bien ces petits moments de confort. Ça va me booster à faire des vidéos encore plus originales des unes que les autres.